Les Lions indomptables A' se sont envolés ce 10 août 2017 pour Sao Tomé et Principe. Ils vont affronter les A' de ce pays le samedi 12 août prochain sur l'aire de jeu du stade 12 juillet à Sao Tomé. Cette rencontre allée compte pour la troisième et dernière journée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Avant de partir, le staff technique a tenu à rassurer sur l'état d'esprit de l'équipe. C'était au cours d'un point de presse donné à Douala. Individuellement, ils sont bons. Chacun a démontré qu'il avait des qualités. Et maintenant, il faudrait que, tant que le ballon n'est pas entré, je pense qu'il y a un problème. Donc, nous sommes en train d'insister dessus depuis deux jours. Et on va continuer même à notre arrivée pour que ça soit des buts qui soient importants. Signalons tout de même que l'équipe entraînée par Rigobert Song a eu un nouveau capitaine. Aono Junior de Young Sport Academy de Bamenda remplace Bimbe Aaron qui a décliné l'offre à la dernière minute. Il faut le reconnaître, si on a une possibilité demain, on ne va pas bloquer le joueur parce qu'il y a quelque chose. Tous, on rêve tous d'aller aussi continuer son aventure ailleurs. Donc on a échangé normalement, il a été vraiment très professionnel et on s'est entendu. Et c'est vrai que sur le plan de notre stratégie, il nous met en difficulté parce que on a la base, c'est avec lui qu'on comptait tenir quelque chose. L'équipe de Sao Tomé, mal connue dans le monde du football, n'est pas un enfant de cœur. Mais ce n'est pas une équipe qui n'existe pas. Non, elle existe. Il y a du potentiel là-bas. Maintenant, c'est à nous de pouvoir mettre cette équipe en difficulté. C'est d'ailleurs pour ça que nous continuons à travailler. Les Lions A' sont prêts à rugir et à sécuriser leur qualification. Dans la tête, nous sommes préparés, nous sommes à 100%, nous sommes prêts à aller affronter cette équipe. Rigobert Song a arrêté une liste de 20 joueurs qu'il estime meilleurs pour défendre les couleurs nationales.